Hey yo les jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de display. Alors c'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire du tout, en aucun cas je me serais rapproché de cette extension si j'avais dû acheter des cartes, mais voilà, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message en me disant mais voilà, j'ai trouvé des Battle Pack 3, la Ligue des Monstres, etc. Je me suis dit tiens, c'est du 2013, du 2014, ça peut être intéressant à ouvrir, etc. Et je me suis dit bon, t'en as pas spécialement besoin, dépense pas ton argent inutilement. Et il m'a donné un argument que je n'ai pas pu refuser. De type, les boosters sont à 99 centimes unité. Il y a 36 paquets dans une display, ça faisait la display à 36 euros. Donc autant vous dire que je n'ai pas eu d'argument pour dire non, je ne la prends pas. Donc voilà, la display est là, donc ne me jugez pas, hein, voilà, j'achète ce que je veux. Et puis de toute façon, voilà, on va s'ouvrir cette petite display tranquillement. Donc juste, elle n'est pas scellée. Voilà, elle n'est pas scellée parce qu'en fait, les boosters, je vous montre ça, je galère du coup. En fait, les boosters étaient vendus à l'unité à l'intérieur. Donc la display n'est pas scellée, j'ai vérifié, il y a bien les 36 boosters. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait du Kobo Gagaga, puis après quelques petites cartes magiques qui cotaient un petit peu. Mais moi, voilà, 36 euros la display, c'était juste plus pour le fun qu'autre chose. Je partage ça avec vous, ça me fait plaisir. Et puis c'est tout. Allez, on passe sur la deuxième caméra. Donc petite display assez sympa, on voit du héros du mal juste ici. Archétype que j'aimais beaucoup avant, déchaînement des monstres. Et puis vous allez voir, les boosters sont sympas. Alors j'ai pas compté combien il y avait de boosters différents, mais je vais essayer d'en garder un maximum parce que pour le coup ils sont vraiment super jolis quoi. Alors, tac. Je trouve que voilà, je trouve ça sympa. C'est vraiment joli, c'est juste joli. Ah mais il y en a masse en fait. Alors attends, ça c'est les mêmes que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, on l'avait pas encore. Celui-là, on n'est pas encore non plus. Mais putain. Faut que j'arrête de dire des gros mots, sinon encore, je vais encore me faire démonétiser mes vidéos. Tac. Il n'y a pas d'autres artworks. C'est bon, on a tout là. On a les 9. Il y en a 9 du coup. On n'a pas fini l'autre pile. Ah si, on l'a pas celui-là, je crois. Voilà, ça c'est le 10e. Ah, il y en a 11. Mais what? Putain, il y a masse, mais il y en a 12. Putain, trop stylé. Faut vraiment que j'arrête de dire des gros mots. Je vais me faire taper sur les doigts par YouTube encore. Tac. Tac. Du coup, je sais pas exactement si on a pile poil le bon nombre de boosters ou si. Enfin, je veux dire, on a le bon nombre, mais si ça a été réparti en artwork correctement. Je sais pas comment. Je sais pas ce qui a été fait. Parce que bah, c'était des boosters un peu en vrac visiblement, donc là on a des visiblement on a 3 boosters par pack, donc ouais ça doit être ça. Mais écoutez, on va se les ouvrir un par un tranquillement, doucement. Je vais essayer de les ouvrir cool, hein, histoire de les garder correct. Donc c'est des petits paquets de mémoire, c'est 5 cartes, voilà c'est ça. 5 cartes et la rareté à l'intérieur, ça doit être 4 communes et une foil je pense. Il y a quoi? Des rares, des communes et des starfolds. Ok, bon, on va voir ce qu'on a. Chien de la chaîne, chien à la chaîne, pardon. Psychokinésie, scarabée chasseur, dragon blizzard et muraille épée de fusion. Tac, on va les séparer comme ça. Alors vous les voyez pas, mais moi je les vois, c'est le principal. Tac, les boosters sont super jolis pour le coup. Alors les boosters d'aujourd'hui aussi sont jolis, mais ceux-là, hein, font presque uni avec juste un artwork devant, je trouve ça plutôt cool. Orc AR, Typhon, je crois que c'est une carte qui code dans l'extension, je suis pas sûr, mais il me semble. Vélociraptor noir, bœuf de combat enragé, qui est cher stylé. Alors pour ceux qui se posent des questions sur les raretés, je vous ai tout expliqué dans cette vidéo juste ici, et je parle justement du Shatterfoil, Starfoil, qui est plus ou moins la même rareté, et la petite métamorphe. Tac. Alors en soi c'est pas la rareté que je préfère parce qu'au final vous voyez bon c'est joli mais c'est pas ça change hein, des autres raretés. Mais par exemple je préfère largement le millième, la rareté millième rare par exemple. Et je n'ai ouvert que 3 boosters et ça fait déjà pratiquement 4 minutes. Peut-être un peu plus avec le montage de vidéo. Alors du victoire, du chevalier noble, jongleur automate, plutôt cool. Rhino ailé. Elle est jolie la carte. Et inspiration. Tac. Alors, on n'a pas ouvert celui-là encore.
Mais vous voyez, je trouve que franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais l'artwork comme ça, enfin juste une image en PNG, en transparent, avec un fond et puis décliné en plein de... Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça change en fait, voilà, c'est juste, bah, c'est l'époque quoi. C'est les boosters de l'époque quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que la dernière, c'est une rareté, une commune. Donc masque de faiblesse, lézard de grand vent, lueur du miracle, Crowlen le prophète et... que j'ai échappé, pauvre Crowlen, et le crâne sacré en starfoil. Allez, continuons cette petite ouverture. J'ai pas défoncé un seul booster depuis le début. Notez quand même un petit contrôleur d'ennemi. Voilà, moi c'est alors. Notez bien que c'est ce que j'appelle moi des staples, hein. Ce n'est pas un véritable staple, mais moi c'est ce que je mettrais dans mon classeur de staples. Je fais la réflexion juste parce qu'à plusieurs reprises on m'a dit que tu emploies des mots que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Je sais ce que c'est qu'un staple, juste ben, moi je considère contrôleur d'ennemi dans mes decks un peu fun rétro, c'en est un, donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Contrôleur d'ennemi, patrouilleur, souffle ardent, troupe d'assaut et spectre du bon. Alors, je sais pas si c'est du bon ou du bond, du coup. Allez, on enchaîne. Oh, bah alors celui-là, du coup, il a pris tarif. Dommage. Donc, je remercie quand même Valentin, qui est l'abonné qui m'a dégoté tout ça. Qui m'a dégoté ces paquets-là. Gros merci à toi, gros big up, parce que du coup, bah, je peux réaliser cette vidéo. Et puis, c'est quand même une extension qui a l'air assez cool. Dragon détonnant, batterie de recyclage, Chiron le mage et bouclier intrigue. Hop, et on passe à la deuxième colonne. Ça, ça va être du psychique, je crois. Je me sens que c'est du psychique. Alors, pour ceux qui jouent à, qui ont pu jouer à Urban Rival, je sais pas si vous connaissez le jeu, il y a un monstre chez les Nightmares ou chez les... Oh, je sais plus, je vous mettrai l'artwork ici. Vous allez voir, enfin, dans ma mémoire, ça ressemble beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Et dites-moi si certains parmi vous ont déjà joué à Urban Rival. Moi, c'était vraiment... Comme quoi, j'ai joué à des TCG depuis que je suis gamin, en fait. Parce que du coup, j'avais beaucoup joué à ce jeu-là. Pendant mes pauses Yu-Gi-Oh! Quand j'étais gosse, quoi. Gravité 0. Bouclier divin. Bouteille de Reigeki. Chiron le mage à nouveau. Et le Graal interdit. Ok, le Graal interdit, c'est plutôt une bonne carte. Qui encore un peu joué, alors un peu moins que Lance Interdite sûrement, mais c'est quand même, quand c'est sorti, Graal Interdit, c'était puissant, hein. C'était puissant, tac, Manuscrit Interdit, Cyber Phoenix, Appel de la Momie, Dragon Rusé, et Protection Espilon. Oh, les boosters s'ouvraient tellement bien à l'époque. Enfin, en fait, c'est un peu contradictoire parce que dans une vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps, j'ai galéré justement à ouvrir les boosters. Mais là, et là, en tout cas, ceux-là, ils s'ouvrent très très bien. Chaîne alimentaire. Choctopus. Bannière du courage. Dragon Blizzard qu'on a déjà eu. Et Skelezor. Qui, je crois, est une carte qui est assez recherchée en ce moment. Alors, on a fait celui-là. Ah, bah tant pis, il a pris tarif aussi celui-là. Ah, alors, explosion chaotique, mais la loutre des mers derrière, c'est super cool. Maître artisan Gamil, orage sanguinaire, et démon tempête chaos Meru. Tac. On aura fait un premier tour, on va pouvoir continuer après. On va faire un second. Alors, oh bah, Cola des mers, c'est encore un contrôle ennemi. Cola des mers, c'est très très cool. Pour terminer mon deck Koala, en fait, tout simplement. Héros, lumière éclatante, écarlate, pardon, j'ai trop du mal. Orc de retard et livre de l'éclipse, qui doit être l'une des cartes qui cote le plus de l'extension. Je pense que c'est une carte à 5 ou 6 euros, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Rappelons que j'ai payé ces paquets la somme de 36 euros. Donc là, si on est déjà à 5 ou 6, on fera un récap à la fin. Je connais pas les prix tout de suite en record de la vidéo, mais je ferai un récap tarif à la fin. Et on verra si j'ai dépassé ou non la valeur de ce que j'ai acheté. Alors, arme noble, destructeur. Ah, ça c'est cool aussi, dis donc. Ça c'est cool aussi. Skelezor et, décidément, gardien d'Onyx. Qui n'est pas un Pokémon. Eh bien, on a fait le premier tour. Voilà, on a ouvert
Les boosters sont super jolis. Je vous les passe parce que moi je les trouve vraiment magnifiques. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça super joli. Franchement. Bon, j'ai une préférence pour celui-là quand même. Qui impose vraiment. Il a du flow et tout quoi. Bon, celui-là aussi, les héros du mal, c'était quand même classe. Ok, bon allez, on est reparti. Alors, Tempête d'Etaka, Croque-Mort, Chaîne de Montage, Fissure et Scream... what ? Furée et Scream de Feu. Alors parfois, vous avez l'impression que je ne sais pas lire ou que j'ai de galère, etc. C'est juste qu'en fait, je ne vois qu'à travers mon téléphone. Donc du coup, des fois, le macro ne se fait pas et je suis obligé de deviner. Et du coup, voilà, ça fait un petit peu de la merde parfois. Donc, Furée et Scream de Feu et Ruban de Résurrection. Je me demande si Ruban code pas un petit peu aussi, tiens. Alors, manuscrit interdit, résident des profondeurs, enterrement prématuré. Alors, macro, merci, gardien royaux, tempête de feu. Il a grave du flow ce monstre. Et tremblement de terre. On en est où? On en est là. Forêt interdite, déchiqueteur. Livre de la magie de la sagesse, chevalier rouage ancien, ok, et elfe gemini toon. Alors ça, c'est méga cool, putain, j'adore les toons, et du coup, je suis grave content de faire tomber du toon. Alors en soi, j'avais sûrement déjà en 2 voire x 3, d'ailleurs, faut que je pense à vous faire mon deck profile de mon deck toon, mais voilà, c'est toujours cool, je suis content de tirer du toon, moi, ça me fait toujours méga plaisir, quoi. J'adore les toons, hein, vraiment, c'est... Je pense les cartes Yu-Gi-Oh! qui bon, je vous en avais parlé un petit peu dans la FAQ de toute façon, mais ça fait vraiment partie des cartes que j'apprécie vraiment quoi. Alors, tac, on va chercher Masque de Brutalité. Protops préhistorique, Maître Artisan qu'on avait déjà eu. Ouh, j'ai vu une belle carte derrière, je crois. Branchier noir et numéro 10. Alors en fait c'est pas une belle carte, mais c'est plutôt. Enfin c'est pas une carte qui cote, mais c'est plutôt une carte sympa quand même. Hop. Ça a tellement stylé d'ouvrir des boosters différents, j'ai l'impression d'ouvrir des éditions différentes, en fait, tout simplement. Esprit de combat, le Jack Frost, Frantorus, c'est vraiment cool. D'ailleurs, c'est cool parce que j'avais ouvert du 2013 il n'y a pas très longtemps. C'était quoi? Bon, je vous mets le lien de la vidéo ici, et j'avais pas mal de Frantorus, et du coup, ben, je crois que j'avais pas de Jack Frost x3, donc c'est plutôt cool, j'ai intérêt d'avancer dans mon deck. Rayon Nocturne, Koala Vampire, et Electro Ajustement. Il y a plein de cartes que je ne sous-estimais pas dans cette édition, en fait, qui sont fun, en fait, comme cette vidéo. C'est vraiment l'objectif, c'est pas de loot, du lourd, etc. C'est juste de faire du fun, et au final, bah, ça marche plutôt bien. Baguette Magique est une carte qui, pour le coup, est pour moi, encore une fois, un staple, parce que dans tous les decks de pioche, style les decks Exodia, bah, c'est une carte qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Dragon détonnant, le guerrier réincarné, pareil, pour moi, ça, c'est un staple. Mudora, ça, c'est plutôt cool. Et... Perte de mémoire. Ok. Tac. Toi, t'es un beau booster. Toi, tu tiens du lourd de l'an, c'est sûr. Alors, baguette à tir unique. Démon. Esprit de la matière. Soldat de cartes. Ça, c'est toujours cool. Et pom-pom fée. Oh, elle est trop choupie. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve trop choupie, en tout cas. Ouais, super, un appel à la lettre hantée, on le sait tous. Masque de brutalité, et du coup on a le petit colonie d'Imal qui correspond au booster. Alors du coup c'est pas du tout, je pensais vraiment que c'était du... Je confonds je pense avec un synchro qui doit avoir la même posture, un synchro psychique. Un petit monstre pyro, portail dimensionnel, dragon de foudre, et le petit appel de la hantée qui fait plaisir, c'est plutôt cool. Pareil, appel de la hantée qui pour moi est rangé dans mon classeur de staples. Alors, esprit incassable, Fera, esprit de la victoire, Valhalla, tigre des flammes et masque de faiblesse. Alors, pyramide des merveilles, golem, appel de l'Atlantide,
On a déjà eu Démon de la Tempête. Et Dragon d'Étonnant qu'on avait déjà eu également. Il y a un Cowboy Yagaga dans cette édition. C'est vrai que si je pouvais loot Cowboy Yagaga, ça serait cool. Parce que bah, c'est une carte qui se joue un peu partout. C'est un X6 qui sort assez facilement, donc ça pourrait être cool. Bouclier magique de bras, croque-mort, portail dimensionnel, alligator lion et héros qu'on avait déjà eu, mais je crois qu'on l'avait eu en rare par contre. J'ai fait bouger la caméra, enfin, mon téléphone en l'occurrence, donc j'en suis désolé. C'est juste que je refais des petits tas, je vais en faire tomber, avec les cartes que j'ai sorties. Je vais en faire tomber des communes, ne vous inquiétez pas, c'est pas des... rien de très grave. Bon, ça veut pas... Doucement, là. Alors, Ellipse, le petit Cerbère qu'on connaît bien, Psychokinésie qu'on a vu dans les deux premiers boosters, Scarabée Chasseur et Tonnerre de Feu. Ok. Allez, dernier tour, et après on aura ouvert tous les boosters. Eh bien, nickel, Livre de l'Éclipse, à nouveau. Je crois que c'est une carte qui code vraiment, hein. Je vous mettrai, de toute façon, on fera un récap, mais il me semble que ça cote vraiment. Hein. Ah, pardon, du coup, Plier Rigoureux, carte qui est dégueulasse. Bouclier Intrigue, Jeanne la Paladine, Seigneur Lumière, 2012 représente, et le guerrier Ardoise. Oh, 2012, ça doit être ça, de la méta. Hein. La méta Seigneur Lumière, c'est 2012-2013, en même temps que DAD, normalement. D'ailleurs, ça donnait lieu aux Malédiction d'Anubis. Trop, trop bien, ça. Malédiction d'Anubis, tête, hyper tête de marteau, portail de la douleur, encore une Jeanne, décidément, et éclipse miraculeuse. Ça donnait lieu au deck Twilight, pour ceux qui se rappellent, avec le Dragon de Jugement et Dad dans les mêmes decks, avec des cartes style Sorcier du Chaos qui venaient tempo, les deux archétypes, enfin les deux éléments, etc. Bon, c'était super fort. Spectre du Monde, un Gorgon. Allergie au pollen, Mezuki qui est toujours cool, et Graines de Feu. Ok. Baguette à tir unique, Gonogo, Surcharge psychique, Canalisateur de magie qui est une bonne carte, et Barrière de Courage. Tac. Franchement, je suis grave content parce que la plupart des cartes qu'on a tirées, il y en a vraiment beaucoup qui vont nous servir en fait. Et du coup, bah, c'est cool. Mais je crois que c'est vraiment mon côté joueur rétro qui fait ça parce que c'est souvent quand je joue des nouvelles éditions, bah, ça ne me sert pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, Assujettissement. Papillonnant. Très bien. Magidols. Léviathan, réplique nordique. Gardien de cartes. Et Chien à la chaîne. Charge intrépide, crâne sacré, héros de la lumière mauve, très bien, insecte arsenal et sage de la frontière. Bon, mais du coup, nous, ce booster qui n'est absolument pas à l'artwork, c'est un monstre psychique. Hop. Métamorphe rare, orc AR, bouteille Regeki, branchios noir et guerrier faucon de la vallée de brume. On commençait déjà à arriver dans les noms à rallonge. Hein. Mine de rien. Hop, je refais mes petits tas. On fera un récap. Après, c'est cool dans ces petits boosters parce que t'as toujours plein de raretés. J'aime bien les raretés. Donc c'est plutôt cool. Brelante 7, big up à Doc7 qui ne regardera sûrement jamais cette vidéo. Mais big up à toi si toutefois c'était le cas. Champion de guerre. Ah, bah c'est une des images de tout à l'heure. Héros de la lumière verte. Magicien. Psychique du silence et fertilisant miracle. Ok. Alors on arrive sur la fin des boosters. Hein. On aurait eu quand même quelques cartes sympas. Hein. Alors, bouclier violent, Fréra, esprit de la victoire, réacteur psychique, démon de tempête qu'on avait déjà vu et soldat triton. Il nous reste deux boosters après. Voilà, j'ai fait n'importe quoi avec mes mains. Très très bien. Épée psychique, seigneur poisson, masque du
de Tutan. Du Skelosaur qu'on aura eu 3 fois, du coup j'en ai un playset. Et Sortilège de l'Ombre. Sortilège de l'Ombre qui est une carte présente dans ma decklist de Kaiba, je crois. Je vous laisse aller check, hein, ça apparaît en haut à droite. Esprit de combat, Homme Vilon, Allergique, Allergie au pollen, Koala Vampire et Résident des Profondeurs. Et dans ce dernier booster, qu'est-ce qui nous est réservé? On n'aura pas vu beaucoup de X6 du coup. De X6. J'allais dire de Link, c'est normal. 2013, il n'y avait pas beaucoup de Link. Spectre du Bond, champion de l'enfer qu'on n'avait pas encore eu, Lueur du Miracle, Kronlen le Prophète et Tempête oubliée des Profondeurs. On va faire un petit récap de ce qu'on a eu. Alors, dans les Starfoil, je vous les passe sans vous donner les noms, hein, juste histoire qu'on puisse voir ce qu'il y a. Je vous mets en même temps au passage un récap sur l'écran de ce qu'il y avait comme valeur dans ces Starfoil. FG Minitoon qui est grave cool, je suis super content de l'avoir eu. Ça aussi, ça cote. Ça, je suis presque sûr que c'est une carte qui cote. Crawl Interdit qui est toujours cool à avoir. Hop. Maintenant, même chose avec ce deuxième paquet. Pareil, je vous mets la cote s'il y a des cartes qui sont intéressantes à l'intérieur. Mizuki, je pense qu'il cote un petit peu. Enfin, je sais pas en fait, mais je sais que c'est fort en tout cas. Beaucoup de monstres quand même en rareté, hein. Mais presque que des monstres, je crois d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est que du monstre. Ok. Et les communes, je vous en fais pas un récap. Je vous ferai un récap, enfin, je vous mettrai une petite correction à l'écran si toutefois je pense, si toutefois il y a de la rareté, mais... J'ai un bon doute, enfin, s'il y a de la valeur, mais j'ai un gros doute quand même sur tout ça. Mais écoutez, nous venons de s'ouvrir à 99 centimes le prix des boosters. Quoi. C'est vraiment hallucinant. Ça me fait une display de plus ouverte. Nous venons de s'ouvrir cette petite display Battle Pack 3, la Ligue des Monstres. Ça me fait plaisir. Je suis content d'avoir réalisé cette petite vidéo. C'est fun pour le coup. Je prends plus de plaisir à ouvrir du fun que du récent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi surtout, je serais curieux quand même. Dites-moi quel booster, quelle est la booster du. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, évidemment. Hein, quelle est la booster, la couleur du booster que vous avez préféré. Attendez, j'essaye de vous les ressortir. Pour le coup, moi je trouve ça vraiment fun de proposer autant de. Il y en avait 10, on avait dit tout à l'heure. Tac, j'essaie de vous les sortir tous les 10. Vous avez le droit de quitter hein, si vous trouvez ça trop long. Mettez pas un pouce en bas quand même, c'est pas cool. Vous avez le droit de quitter quand même, parce que du coup, j'organise ça un peu random, aléatoire au dernier moment. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Très bien, il y en a un de plus. Alors, lequel on a en double maintenant? C'est la question. Les sacres bleus, quel est ce sacrilège? Bon, c'est pas grave. Je vous les montre, dites-moi lequel vous préférez. Moi, j'ai ma petite idée quand même sur lequel je préfère. Donc, le jaune... Le rose, le violet, le bleu, le vert, le jaune à nouveau, le bleu clair, le orange, le violet, ah ouais, le rouge et le bleu clair. Voilà, dites-moi parmi ces boosters, lequel vous préférez. Moi, je pense quand même que celui qui a le plus de flow. Tout à l'heure, j'ai dit celui-là, mais en fait, celui-là est grave stylé quand même. Franchement, il est plutôt classe. Et puis après, ben voilà, champion de l'enfer, c'est vraiment classe. Voilà, on perd pas plus de temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Laissez un petit commentaire qui fait plaisir. C'est toujours cool. Ou si vous avez des points à améliorer, à me proposer, ben n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis ouvert à vos commentaires. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça me fait plaisir. Sur ce, les petits potes, prenez soin de vous. Faites de nombreuses collections de cartes. Et puis jouer au jeu de cartes, hein, tout simplement. J'ai raté mon outro, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment la fin de cette vidéo. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao!